Bonjour à tous, ici Tufus. Et nous voici de retour sur StarCraft 2 pour la première des 4 dernières vidéos que je ferai, enfin théoriquement. Pour le coup, ça va être quoi le thème de cette 4 dernières vidéos? En gros, je vais refaire certaines missions en difficile avec un peuple Protoss spécifique. J'en ai déjà parlé dans les vidéos avant, en fait, c'était un viewer qui m'a demandé si je ferais des missions avec par exemple que des Tal'Darim ou que des Purificateurs. Et ben pour le coup, c'est ce que je vais faire dans ces 4 vidéos-là. Donc en gros, il y aura une vidéo pour chaque peuple. Par exemple, du coup, allez hop, enfin, je vais présenter les missions que je compte faire en fait avec les différents peuples. Donc pour les Templiers Noirs, j'hésite encore entre l'Emprise d'Amon et Terre Sacrifiée. Donc en gros, on a le droit limite aux mêmes unités en gros. Donc il n'y a pas réellement de différence à part ne serait-ce que le temps passé ou le haut fait à réaliser. Enfin bref, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est pour les Templiers Noirs. Concernant les Tal'Darim, ce sera le Rakshir. Et je sens que je vais en chier parce que les Tal'Darim, ils ont beaucoup d'unités, enfin ils ont des bonnes unités. Le problème c'est que c'est des grosses unités, donc du coup qui demandent de construire des choses avant et tout. Donc je sais pas si je vais réussir ou pas à faire ça en difficile. Hein. De toute façon on verra ça le moment venu. La mission purification avec nos amis les purificateurs, évidemment. Et le tout dernier, on va faire avec les Templiers, la mission Loot. Voilà, ça c'était la petite présentation. Du coup là c'est la deuxième tentative que je fais de tournage. En gros j'ai essayé de retourner, enfin d'essayer de tourner à nouveau sur mon PC. Sauf que ça ramait tout, c'était bof. Donc du coup je suis retourné sur mon ordinateur fixe, en espérant que ça rame pas trop cette fois-ci. Pour vous offrir, pourquoi pas, ce petit contenu, ma foi, fort bien sympathique. Mission purification. Et puis c'est tout. Voilà, donc on lance. Relancer la mission. Je relance le petit speech, hein. Ça fait toujours plaisir d'entendre notre ami Phoenix parler. Profitant de la désactivation du réseau de Stars, les ergues pullulent déjà à la surface de Simros. Nous ne disposons que de peu de temps pour secourir les purificateurs. Vos Templiers sont prêts, Hiérarque. Ils n'attendent que votre ordre pour en reprendre le contrôle. Donc en fait le but de la mission, je tiens à le rappeler, c'est que on doit réactiver tous les purificateurs en détruisant les nodules de dissipation. Et en essayant aussi de résister aux ergues. Tout en maintenant le noyau. Enfin bref, voilà quoi. Faut faire plein de trucs. Au niveau armée, les veilleurs, c'est déjà des purificateurs. Donc voilà, c'est les Templiers Noirs, là c'est les Templiers tout court. Les Nézarim, enfin j'ai du mal à retenir leur nom. Donc du coup il voilà, y a Aïur, Nézarim. Purificateur et les Tal'Darim qui ont ce truc là. Donc du coup nous on va se faire les purificateurs, donc ça avec les adeptes que j'aime pas trop, mais du coup qu'on va quand même les jouer parce qu'on n'a pas trop le choix, faut bien un truc qui attaque à distance. Ouais du coup ça on n'aura pas le droit, on n'aura pas le droit aux immortels, annihilateurs ou pénitents, ça fait un petit peu chier ça parce que je les aimais bien. Dynamiseur ouais c'est robotique, là du coup il n'y a pas le phaser donc tant pis. Aspirant là y a rien et ça me dérange pas trop vu que je les aime pas trop eux. Ah ça par contre ça risque d'être un petit peu chiant, il y aura pas de soutien volant. Ah par contre. Voilà, on a quand même nos classiques colosses, nos bien-aimés. Et du coup en vaisseau amiral on aura le Tempête. Affiche de dégâts à longue portée, désintégration, inflige des dégâts sur la durée. Ah, intéressant! L'armement instable des tempêtes a toujours représenté un danger pour leurs pilotes. Karax les a intégrés au réseau du purificateur afin de les rendre pilotables à distance. La technologie de désintégration est désormais plus sûre que les pilotes. Plus sûre pour les pilotes. N'importe quoi. Donc du coup, on aura le droit aux veilleurs, aux adeptes, dynamiseurs, colosses et tempêtes. En gros, on aura les unités du début et des unités de la fin. Par contre, les unités du milieu, genre par exemple les vaisseaux ou les immortels, que pouic, ça va chier. Lance d'Adun. Alors les pouvoirs, du coup moi j'avais pris rayon purificateur, j'avais pris impulsion temporelle, lance solaire, parce que du coup ça et ça pour les dégâts, ainsi que Phoenix pour les dégâts, enfin Talandar pour le coup. Ça je pouvais pas monter plus haut donc du coup je me suis rabattu là-dessus. Ça c'est toujours utile, surtout qu'on aura besoin de masse gaz pour tout ce qui est tempête et colosse. Et puis tout ça c'est sympathique aussi. Donc c'est parti, je crois que tout est bon. Et donc c'est parti, allez hop. C'est après environ 15 minutes de trop facile à cette mission que du coup je me suis rendu compte que c'était effectivement pas en difficile mais en normal. Donc du coup je recommence, allez, à tout de suite. Ces ergues sont aussi tenaces que le disent les archives.
Ils étendent déjà leur infestation à toute la surface. Et les hybrides d'Amon ont commencé à renforcer les touches. Nous allons avoir besoin de l'aide des purificateurs pour gagner cette bataille. En effet, d'après les plans de la station, la structure énergétique de Cybros se divise en quatre secteurs distincts. Chacun est scellé par trois nodules de dissipation. La destruction de tous les nodules d'un secteur devrait restaurer son alimentation et ainsi réactiver au moins une partie des purificateurs. Nous devons veiller sur la matrice nodale. Si les ergues la détruisent, Cybros tombera avec elle. Et re, donc c'est parti cette fois-ci. Oh, on... Je ne fais pas de la merde là. je ne fais pas de la merde. Nous devrions nous appeler à localiser les nodules de dissipation dès que possible, Hiérarque. Je trouvais ça aussi bizarre que je galère pas du tout en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs ici. Artanis, il y a des canons non alimentés à proximité de la matrice nodale. En y apportant quelques fortifications, nous devrions pouvoir défendre cette position. Ouais, ici ça pourrait être bien. Oui, par contre, oui, alors, donc comme je l'ai dit avant, mais bon, vous l'avez pas vu vu que normalement je l'ai coupé au montage parce que je suis pas, parce que j'ai un minimum de talent, enfin on va dire, si on peut dire ça comme ça. Oui, bah forcément ils nous fournissent un immortel obligatoirement. Et pour le coup, bah on va l'accepter, on va faire avec et ce sera le seul immortel qu'on aura pendant toute la mission. Voilà, voilà. Donc vous étonnez pas si bah il y a un immortel qui se balade, hein, c'est celui qui nous était offert. C'est un immortel au bon goût de gratuit, comme on dirait, comme diraient certains ou certaines. Alors, première étape, on va produire des choses. Ah oui, et aussi, au fait, tac tac tac, il y a des au faits normales qu'on peut faire dans tous les modes de difficulté, et il y a aussi des au faits qu'on peut faire en mode difficile. Et celui qui correspond à notre mission, c'est tuer 5 behemoths hybrides en moins de 15 minutes dans la mission purification en mode difficile. Et pour le coup, bah, les behemoths hybrides, moi j'ai du mal à le dire, et ben je crois que c'est celui qu'on a vu dans la cinématique, et du coup, bah, je sais pas trop à quoi il correspond. Enfin, où est-ce qu'on pourrait le trouver, quoi, en fait. Si j'arrêtais de dire des mots au pif, aussi. Et on va faire... une petite forge. Et pourquoi une forge? C'est parce qu'on va faire des tourelles, mon cher Jean-Roger. Un tino cybernétique pour faire des adeptes. C'est parti, toi, tu peux y retourner. Allez, voilà. Du coup, toi, on va te garder en 1. Et sinon, bah... Attends, j'ai pas... Oh, le salaud, il me montrait que c'était activé. C'est pute, ça. Ouais, là c'est bien montré, là. C'est en bleu clair. Remboursé. Et hop, on avance un petit peu. Je suis la première ligne. La première ligne, d'accord. Là, un nodule de dissipation. Sproch. Détruisez-le pour rétablir le flux d'énergie. Voilà. Détachement Zerg se dirige vers la matrice. Sérieux. Guerrier, défendez la position. Attends, et toi? Sproch. Voilà. Un en moins. Et du coup, vous retournez ici pour vous protéger. Et oui, le truc à pas faire aussi, c'est de produire d'autres unités. Faut se retenir de produire d'autres unités. Ça va être chiant aussi. Tac. Un seul pylône pourra suffire à défendre tout ça. Du coup, toi, tu fais ça. Et toi, tu nous produis des jolis adeptes. Ah ouais, donc là, niveau difficulté, on passe de 5 zerglings à 3 zerglings et un cafard. Il y a du changement quand même. Par contre, ouais, je pense que je vais plutôt maxer sur les défenses dès le début. C'est la première partie que je fais en difficile en fait, parce que du coup, j'ai toujours pas tenté d'autres missions. Toi, du coup, toi, tu vas faire ça comme ça. Petite question, est-ce que je peux faire un truc ici? Ouais, donc toi tu vas faire ça comme ça. Nous devrions voilà. Cibler les nodules de dissipation. L'assaut des purificateurs va occuper les ergues et ralentir leurs attaques contre la matrice. Bah ouais, mais pour détruire ces genres de conneries, bah faut avoir des unités. Pour avoir des unités, bah il faut du minerai, mon petit. Attaque. Du coup, attends, il en manque 3, donc 1, 2, 3. Voilà, on a théoriquement tous nos bestiaux. Attends, allez, un petit truc. Ah là, c'est la quête secondaire. L'un des purificateurs. Allons-y. Avant les autres. En avant, Guingamp. Attendez.
quelque chose ne va pas. L'IA refuse de répondre. Les cristaux de solarite de cette structure muriel sont devenus instables de façon irréversible. Nous devrions l'empêcher de nuire. Au moins, nous saurons faire bon usage de sa solarite. Attends, détruis ça par contre, ça va être dangereux. Ah merde! Ils sortent d'où eux? Ouh, non, pas lui. Détruisez pas, ne détruisez pas! Tiens, allez hop, scrotch, bitch. Merde. Non, se faire attaquer! Oh le con! Oh, si j'avais su que j'allais prendre aussi cher. Ah, il faut peut-être un rechargeur. Ah non, pas un rechargeur de bouclier, ce serait. Les premiers nés ne renoncent jamais. Oui, c'est pas faux. Ah oui, du coup, c'est parce que je viens de la produire, c'est pour ça qu'elle dit ça. Halal. Sacré Francine. J'avais peur d'avoir fait une connerie. On va faire une baie de soutien robotique directement dès le début, comme ça on aura de quoi construire les colosses. Toi, on va faire ça ici. Attends, du coup, ouais, ça comme les ça. Les serbes s'attardent à notre plan de route. Ça comme ils ça. Ils commencent à assurer la protection des nodules de dissipation. Ça comme ça. Tu reviens ici. Toi, tu vas commencer à produire un peu de... d'augmenter un peu notre attaque. Ouais, ça sent un peu à niveau de la difficulté déjà, parce que du coup, il y a des petites défenses. C'est pas grand-chose, certes, mais ça reste assez chiant. Tiens, on va nettoyer un peu là. Oula, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ils construisent! Ah, les salauds! Ah, les salauds! Ils cherchent à s'introduire dans notre base. Oula! Inch'Allah, ouais. Voilà, toi, t'as de quoi te défendre normalement, théoriquement, ouais. Dans le doute. On va commencer à construire un petit colosse. Toi ici. Oh merde! Mais arrêtez! Mais ils sont chiants là! Bon, ça suffira, c'est bon, j'ai de quoi me défendre. Ok. Les Templiers sont en marche. Oh merde! Ah, mais ils continuent à alimenter en unité! Ah, et donc faut bien tout nettoyer là! Bon, de toute façon, on s'en fout, pour bien tout nettoyer, on a. Ta-la-da-ta-ta-la-ta. Attends, tac. Inch'Allah, comme elle dit. Tac. Tac. Et. Attends. Oh putain. Oh. Attends, ça c'est ici. Ça c'est chouette que t'es en pause pour tirer, pour utiliser ce truc là. Du coup, bah tac. Ah! Fuyez! Mais pourquoi ils continuent à nous attaquer nous? Putain, quand ils voulaient pas lâcher mon mec! Vas-y, détruis ça. On ramasse ça. Les flux d'énergie augmentent de façon exponentielle. Génial! Ça fonctionne. Mais oui, Jamy! Les purificateurs commencent à s'éveiller. Eh, dis donc, Jamy, comment on fait pour alimenter des purificateurs? Je suis l'exécuteur Clolarion. Je m'adresse au meneur des premiers-nés. Exécuteur Clolarion, aujourd'hui encore, vos nombreuses prouesses sont enseignées à tous les Templiers. Cessez votre idolâtrie. Qu'attendez-vous des purificateurs? Mes frères, vous avez été créés pour défendre cet empire. Malgré tout, nous ne vous avons pas traité avec le respect dû à tout Templier. Je vous implore de pardonner les erreurs de nos ancêtres, d'accepter de nouveau votre ancienne responsabilité, et de vous joindre à nous, d'égal à égal. Ah oui, il y a une chose qui est bizarre quand même, vous avez vu? Vous allez devoir prouver que vous dites vrai. Aidez-nous à éradiquer ces envahisseurs xénomorphes. Et ensuite, nous poursuivrons cette conversation. Vous avez vu, ils ont des trackers. Veilleurs, c'est pas normal, ça. Dirigez-vous vers le bastion des envahisseurs. Ils trichent, j'ai envie de dire. Purifiez-les. Purifiez-les par le feu et les flammes. Du coup, toi... Terminé. Tu vas faire un truc sympathique, tu vas faire une petite protection ici. Quoique, attends. Protection ici. Ici. On fait ça ici. On fait ça. Est-ce que tu peux revenir par ici? Ah oui. Du coup non. Parce que tiens, tu vas faire ça ici. Et tu vas faire le reste
Ici, ça pourrait être sympa. Là, tu peux voir pour le deuxième. Bah, c'est bon, là, j'ai une bonne économie, là. C'est ma foi fort bien, tout ça. Oula! Oulala! 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 Oui, bah ça, j'ai vu ça. Oh là là! C'était quoi cette attaque dès le début, là? Là, c'est la troisième attaque qu'on se tape, là. On est d'accord. Du coup, Jean-Billy, tu vas venir ici. Toi, tu vas construire un autre truc. Jean-Billy. Un nom qui est plein d'avenir. On va devoir se faire une défense de gros bourri. Voilà. Ah ouais, s'il nous attaque avec des trucs comme ça dès le début, ça va chier. Hein. Ah mince, j'ai pas vu s'il y avait un hybride... un hybride alpha, un behemoth hybride ici. Oh là là. Oh, c'est totalement bourrin ça, mon cher Jean-Roger. Là, tu vas faire ça ici comme ça. Tu vas te faire une petite muraille de canons à photons. Avec pourquoi pas le chargeur qui va avec tout ça. Tiens, un autre truc ici. Ouais, ici. Assez de minerais. Attends, toi reviens ici. Tac, tac. Non, dis donc. Ta, ici, voilà. Parce qu'il faut quand même laisser passer les trucs au milieu. Et toi, tu vas revenir ici. Parce que quitte à pouvoir. Eh, dis donc, mais c'est qui nous attaque? Nul ne nous découragera. C'est bien d'être positif comme ça, mais. Ça suffit pas? Le combat nous attend. Tac. Voilà. Soyez entendus. Il faudrait faire une porte spatiale. Ouais, ce serait sympa ça. Une porte spatiale. Jamais. Ça sonne bien. Voire même deux? Bah oui! Ah, mais. Et ils reconstruisent vraiment derrière quoi. Attention, est-ce qu'ils ont reconstruit par ici ou pas? Non, donc du coup, je vais pouvoir cheater en faisant une deuxième base ici. Bon, allez hop. On doit quand même nettoyer au bout d'un moment hein, parce que sinon ça va pas le faire. Les Templiers sont en marche. Tout en fait. Amélioration terminée. Vers la gloire, elle a dit. Hiérarque, les hybrides font route vers la matrice. C'est pas prévu ça. Renforcer nos défenses. Ah, ça les a tous immobilisés. Oula, oula. Ouh, ils ont des trucs pas mal eux. Voilà. Ils ont immobilisé toutes nos conneries. Mourez ! Ça va, ils arrivent à en tenir. Ah, c'est chaud, mais ça tient. Voilà, ça c'est des hybrides de behemoth alpha tout ça. Bah, dis donc. Les Templiers sont en marche. Merci, mais du coup. On va en profiter pour en récolter quelques-uns ici. En récolter. Ah bah, ils de fiottes. Oui, j'ai bien dit fiottes, oui. C'était fait exprès. Je suis youtubeur, je maîtrise ce que je dis. Et tout ça sera nul et non avenu. Vous n'avez pas assez de minerais. Tiens, un petit dynamiseur. Gloire au Della. Gloire au Della. Tiens. Normalement, théoriquement, je peux le bouger celui-là. Je vais le bouger ou pas? Ah oui. Le combat nous attend. Ah bah ça dure pas longtemps mais c'est, ça a l'air sympa. On se regroupe. Et on attaque. Tac. Comme ceci. Notre base est attaquée? Très bien. Ouh là là! Oui, effectivement. Du combat nous attend.
Ça vous maîtrisez ? Oui, exécuteur. Nous pensons la même. Allez, hop, vous restez ici. Nous attendons vos ordres. Voilà. Module de dissipation détruit. Énergie de la station à 50%. Non mais détruisez. Quelle est notre destination ? Hein ? Au secours ! Ah, c'est pas ici ! Attaquez ça! Des troupes étrangères attaquent notre patrie! Déployez-vous et éradiquez! Ah d'accord, attaque notre patrie, j'ai compris que j'ai cru qu'il y avait un. Quoi, attaquer notre base? Quelle est notre destination? Dans un sens, je suis rassuré. Tous les adeptes, pensez ça! Voilà! Putain, mais ils utilisent leur capacité, les salauds! C'est qu'ils se défendent, les salauds. Ils se défendent. Voilà, j'ai récupéré des cristaux et tout. Pas tous, mais c'est quand même sympathique. Du coup, revenez ici. Vous, passez par ici, vous. Et toi, Billy Junior, tu vas faire ceci. Parce qu'on en a besoin. Ah oui, quand même, ouais. Je dois vous avouer, ils font mal, c'est con, hein, ils font mal. Du coup, toi, dedans, tu vas faire ça une fois, toi, une fois aussi. Voilà. Mais c'est... Ah, mais du coup, j'ai plus eu les réserves, parce qu'avant, j'en avais au moins 3 par truc. Si vous en rappelez. Ouais, je pense que se faire 3 hybrides, ultra hybrides de la mort et tout d'un coup, ça peut être très chaud à faire. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. La quête secondaire, on s'en fout, hein, on s'en fiche, hein. Mais qu'est-ce qui... Mais qu'il s'est passé quoi? Pourquoi il est passé par ici, l'autre abaissier là? T'es coincé? Bah, petit con. Donc, tu vas faire ça ici. Tu vas venir ici. Tu vas venir ici. Tu vas faire ça ici. Tu vas faire ça ici. Ou alors, tu vas faire ça ici et ici. Et t'y retournes. Toi, t'y retournes ici. Tu fais ça, ça. Et ça devrait être suffisant quand même. Attends, sérieusement, t'arrives pas à passer? Oh merde. Je crois que j'y suis allé un peu trop bourrin avec ça. Bon, il y en avait un juste à côté. On va pas se gêner. Et voilà. Nous pensons la même chose. Oula, ouloulou. C'est coloré de toutes parts. Oula. Ah d'accord, ok, ça c'est... Qu'est-ce qui se passe ici. Merci, j'en demandais pas tant. Détruisez ces saloperies, elles vont tout raser sinon. Ah, c'est bien dégagé derrière les oreilles, comme on dit chez moi. Non, je ne suis pas coiffeur. Attends, toi, du coup, tu vas faire ça là. Toi, on va lancer ça ici, et... Ça devrait aller normalement. Regardez comment il enchaîne. Vous demandez notre aide. Ouais. Vous demandez notre aide. Ça va, on a le temps de... Hein ? Ah merde ! Troisième secteur est de nouveau fonctionnel. Fuck. Hybros rétabli à 75%. Fuck, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu ça. À nous de jouer. Abattez les organismes xénomorphes jusqu'au dernier et sans sommation. Oui bah revenez ici. On s'est fait avoir. On nous a menti. Toi reviens ici. Et reviens ici. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Nous marchons avec les premiers nés. Nous servons de notre plein gré. Vas-y, fondez. Ils ont eu le debuff ou pas? Pour l'honneur. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ils vont attaquer notre... Ah non. Ouais, je pensais qu'ils allaient faire plus de dégâts, mais en fait non.
Ça c'est en nulle gloire. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ah, j'ai fait du caca. J'avais pas pensé de me faire attaquer par ici en fait. Je pensais pas qu'ils étaient aussi intelligents. Ils cachent bien leur jeu. Voilà, ça devrait aller. Je pense que tout devrait bien se passer. Non, normalement je suis pas couru encore au niveau des unités, donc du coup ça devrait aller. Bon bah on continue, on va finir la mission hein, pour le coup. Pour le haut fin en fait, faut vraiment que je me renseigne pour les hauts fins difficiles avant. Après comme je dis, c'est une partie test. Donc vu que c'est une partie test, ben voilà. Elle sera fait comme ceci, en mode test. Mais d'où il sort celui-là? Vers la gloire. Allez-y, petits adeptes! La gloire. Oula! Ah, Colosse! Fuis! La tempête, fuis! Pourquoi il bouge plus? Ah, ok, d'accord. C'est pas celui-là que j'avais sélectionné, c'est pour ça. Bon, voilà, ça va. Ainsi font les petits ennemis. Voilà, on va dire d'avancer par ici pendant ce temps-là. On va préparer la relève au cas où. Même si là, je pense que c'est gagné d'avance. Voilà, c'était une petite mission difficile et tout. Je pense qu'en brutal, elle doit être un peu plus ardue. Mais s'il n'y a pas de fait à faire, bah voilà. Vous voyez, hein, c'est pas la grande fessée non plus. Hein. Regardez la matrice nodale, pas un pet de PV perdu. D'ailleurs, est-ce qu'elle a un bouclier? Ouais, elle a un bouclier. Ouais, je suis sur le point de réussir la mission, et pourtant, bah... Voilà, c'est pas la grande... C'est pas super difficile, pour le coup. Avec les pouvoirs, surtout, que je trouve cheatés. Les Templiers sont en marche. Genre en mode... Hey, bitch! Ah ouais! Ziaou! Rien au purificateur! Attaque! Pokéball, go! Purifie-moi tout ça! Regardez comment il fait. Vous avez vu les dégâts qu'il fait? Bon voilà. Tous les sceaux sont brisés. Comme il dit. Cibro se réveille. Tout comme pareil qu'il a dit. Easy peasy. Hiérarch. L'alimentation énergétique de Cibros est entièrement rétablie et les purificateurs ont commencé à anéantir toute présence zerg sur la station. En avant mes frères. Massacrez-les jusqu'au dernier. Attendez. J'ai été déconnecté des systèmes de Cibros. Son noyau s'active. Il s'apprête à faire feu. Lolarion. Qu'est-ce que... Initiation de la purification. A été débarrassé de toute forme de vie. C'est terminé. Et voilà, une mission difficile réussie en mode tout va bien pour le coup, j'ai rien d'autre à dire. C'est vrai que j'ai pas fait l'objectif bonus, mais bon, ça après, l'objectif bonus c'est surtout pour la campagne, hein, nous on s'en fout un peu pour le coup, je dois vous l'avouer. Et donc, eh bien voilà, purification difficile avec que des purificateurs, sauf évidemment le. L'immortel qu'on nous file dès le début, mais bon, ça, il nous est, enfin, on l'a pas produit, donc du coup, voilà, c'est, enfin voilà, on c'est pas triché quoi sur ce qu'on avait dit au départ.
Et donc, bah voilà, c'était assez facile. Enfin, je dirais pas facile, mais voilà, c'était pas difficile, quoi. C'était pas trop difficile pour le coup. Donc, peut-être penser à faire en brutal la prochaine fois. On verra, voilà. Je pense pas que les Taldarim, je ferai ça en brutal parce que pour le coup, c'est les Taldarim, quoi. Ça picote un peu si je fais continuer. J'arrive dans les archives normalement. Suspense. Ah, petit enchargement. Ouais, on revient dans les archives centrales. Donc du coup, je répète pour ce que j'avais prévu. Donc purification, on l'a fait avec les purificateurs, donc ça, c'est fait. Le Rakshir, ça sera avec les Taldarim. L'hôte sera avec les Templiers de base. Donc tous ceux qui viennent d'ailleurs, en fait. Tac, 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 tac. Pour ailleurs, non, c'était soit l'emprise d'Amon, soit Terre Sacrifiée. J'hésite encore, je pense peut-être... Enfin, l'emprise d'Amon pourrait être pas mal, je pense, parce que Terre Sacrifiée pourrait être pas mal long, au final, ça serait peut-être pas forcément intéressant de rester planté autour du temple en attendant qu'ils viennent, même si c'est ta mission principale à la base. Je pense que la refaire sera pas forcément intéressant, je pense plutôt ouais, m'orienter plus vers l'emprise d'Amon, qui pourrait être sympathique à faire. Donc, et bien sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce principe-là, si cela vous plaît ou pas. Personnellement, moi, je refais en difficile, donc déjà, bah... De base, je comptais refaire l'émission, mais là en plus, ça me permet de, bah, d'avoir un petit peu de challenge, quoi, de me limiter aux unités que je dois produire. Et donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc pouce vert, abonnement, partage, commentaire, etc., etc. Et à la prochaine session, où théoriquement, j'enchaînerai les trois d'un coup. Allez, à plus, tout ça, tout ça. Thank you.